Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est Edition Chita, tant de nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Mette Info. Quel que soit votre branché, on dit bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nos amis téléspectateurs, amis internautes, de nous présenter aux Éditions Nouvelles Parole. 2 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse, plusieurs organisations politiques avec personnalités qui proches du président Jovenel Moïse, étaient mobilisées, je ne m'a dit, 7 septembre ça. Pour demander justice pour président Jovenel Moïse. Parmi les messages, Madame Jovenel Moïse, Martine Moïse, qui lui-même fait un tweet à tout, voyez un message dans l'occasion si là. Donc, insécurité dans le pays d'Haïti, et bien gagné dans la ville Cap-Haïtien, gagné paix et André Sylvestre, qui s'est kiré paroisse Robillard dans Cap-Haïtien. Eh bien, li mouri nan l'hôpital Justinien après bandi armé te fin attaqué le bal plusieurs bal et après et donc li te sorti nan sot fait une transaction la banque. Blackout sévère, grève nan EDH, blackout sévère nan région métropolitaine Port-au-Prince, donc employé électricité d'Haïti eux-mêmes qui a permis nan grève qui entamé un mouvement grève pour demander l'État payé yo, eh bien, plusieurs mois arriéré salaire. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous toujours contents, rejoignons pour nous présenter aux édition Nouvelle ça, nous préparer pour une occasion, deuxième mois et anniversaire assassinat président Jovenel Moïse, la Kaeli dans Pèlerin 5, dans date 7 juillet passé à, eh bien, dans occasion ça, gagné plusieurs personnalité, plusieurs et organisations politiques avec organisations qui proche pouvoir, eh bien, yo t'est en main plusieurs activités pour réclamer justice pour défunt président Jovenel Moïse. Dans un tweet, li fait dans occasion deuxième mois assassinat Maril Jovenel Moïse, Martine Moïse, qui c'est Madame Jovenel Moïse, écrit. Ça fait 2 mois, ils ont crasé toute zone, disons toute zone, président Jovenel Moïse. Ils ont fait pour dire nous, tête cana, pas gain droit, monter table. Ils ont fait pour dire, eh bien, moun qui sorti loin, 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 yo, eh bien, pas gain droit, prend sainte la vie mio. Donc, c'est pour raison ça, je dis à. N'a pas marqué voix nous avec voix peuple haïtien, mais pour nous continuer à demander justice pour le président Jovenel Moïse. Donc, ça, c'est première déclaration, Madame Jovenel Moïse, Martine Moïse fait et sur compte Twitter. Dans yon l'autre message, Martine Moïse m'a annexé et qu'il était voyé. Donc, lui déclaré, donc 2 mois après, yon fin pété gel. Assassiné Jovenel Moïse sauvagement, moi pedi marim, frem, ti mouyo pedi papayo, pep haïtien pedi lidel, eh bien, qui tape chercher, qui tape changer condition la ville d'après Martine Moïse. Donc, de qui dit, donc, bataille lui-même, li pas politique, mais li économique, ça pas fini comme ça, n'a pas honoré mémoire président Jovenel Moïse, n'a pas continué goumen pour soleil là, capable d'éclairer et tout, et donc, pour Silayo qui fait bio, justice pour Jovenel Moïse. C'était déclaration. Madame Martine Moïse, Madame Président Jovenel Moïse, donc que bandit assassiné dans date 7 juillet passé à, donc journée 7 septembre, non, fait 2 mois déjà depuis Président Jovenel Moïse, et bien lui-même lui perdit la ville bêtement la Kaili non Pèlerin 5. Donc, dans l'occasion deuxième mois anniversaire assassinat, triste assassinat ça, journée 7 septembre, non, donc c'était occasion pour donc plusieurs organisations avec quelques partis politiques, organisations qui, disons, qui proches Jovenel Moïse, donc t'es demandé justice pour défunt chef l'État. Yon organisation qui regroupe plusieurs dizaines délégués, donc vice-délégués, donc qui tape travail avec Jovenel Moïse, était en main
yon sitting devan bureau premier ministre nan miso donc pou mande justice pou président Jovenel Moïse donc pou kek nan participant yo donc pa kapab kite nan sitting sa yo di pa kapab genyen accord politique sans justice pour Jovenel Moïse gen lot ki kwè genyen yon paquet autorité nan pouvoir Ariel Henry ki yo même gen parole pou ta di devant la justice par rapport avec assassinat président Jovenel Moïse alors que yo nan pouvoir Ariel Henry y a coupé haché ainsi que Ariel Henry lui-même pour compte li. Nous invitons à suivre déclaration plusieurs non membres organisation Sila qui lui-même te a fait sitin devant Primatia Journée Madia non Port-au-Prince. Nous là devant résidence officielle président premier ministre pour nous dire que pas qu'à gagner accord sans justice président de la République là. Et aujourd'hui Ariel Henry qui c'est premier ministre c'est premier monde qui concerné pour chercher justice pour président. Et nous-mêmes, nous prenons la rue pour nous dire que nous sortons de la silence. Le président a dit, avant même de nous assassiner, nous avons demandé pour m'aller et peut-être moyen qui s'en a parlé. Et je dis à nous-mêmes, nous sommes le président. Nous-mêmes, les candidats qui sont délégués, accompagnés par la population, pour nous dire que nous avons une justice réelle qui fait pour le président républicain. Et nous prenons la rue jusqu'à ce que la justice est établie. L'envie de mobilisation, je dis à l'icône, nous dit. Tout temps esclavio, c'est l'ambique de l'assemblée, tout esclave pour une bataille. Ça veut dire que nous sommes l'ambique, nous prenons l'ambique, nous prenons l'ambique nous, pour nous venir à l'assemblée, pour nous demander justice pour le président Jovenel Moïse Jodia. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons fait pour nous mettre pour nous faire peuple qui nous veut prendre justice pour nous tout. C'est pour qu'il veut nous faire un bon pour ne pas jamais nous voler avec lui. Et nous devons poser Claude Joseph question tout, parce que dans le moment, je viens de mourir, c'est Claude Joseph qui est le premier ministre. Et c'est lui qui a commencé à arrêter les gens. Elle va finir dire, mais quand c'est les gens qui étaient coupables dans l'assassinat du président Jovenel là. Je dis à nous tous les militants dans toute quartier, dans toute zone, nous devons comme vous dire, justice pour Jovenel Moïse, et pour nous donner justice pour Jovenel Moïse. Je dis à nous, nous parlons clair. En tant que responsable pour le citoyen Delma qui se place d'elle, et nous faisons partie de l'ami. Nous connaissons les gens pour faire ce type-là, pour témoigner pour son première révolution, c'est l'envie de nous faire l'assemblée. Journée, l'envie a sonné les quatre pays pour nous donner justice pour le président Jovenel. Et si on a une justice, la porte de la justice pour faire une justice. Donc, c'est clair. Ariel Henry, il était en accord avec Batio, il est le Batio. Avant l'assassinat, il est la paix. Est-ce que Ariel Henry va être placé là? Pour que l'État dirige CSPN. Il y a un policat là-dedans, il y a un mercenaire là-dedans, il y a un Ariel là-dedans, il y a la police là-dedans aussi. Je dis à nous, pas de douane et Léon Charles, nous pas de douane et Léon Charles, dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous pas de douane et Ariel Henry, dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Je dis à nous venir gêner pour nous demander justice pour 2 mois après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pourquoi j'aime bien personne qui connaît, dans quel niveau enquête là, je ne veux pas dire, pourquoi j'aime bien qui connaît, qui est-ce qui te paye un cop pour t'assassiner le président Jovenel Moïse, côté mercenaires, ça a été jeune cop, côté hébergé, qui est-ce qui te voit, je veux dire là, nous venons gêner pour nous demander justice pour le président Jovenel Moïse. Nous pays, nous besoin de justice. Nous, mon président, il a assassiné la Kaili. Et puis, je dis à lui, il a tiré la droite à fait. Nous, il dit, PM, Ariel, si vous prenez le battement complot, vous tirez le président Jovenel, faut carrément, lui faire le président Jovenel jouer une justice. Parce que je dis à lui, nous mobiliser. Je dis à 7, le 14, le devant ministère de justice. Le 21, le devant ministère de l'étranger. Parce que nous allons demander contre Joseph. Le devant ministère commence à arrêter le monde. Faut dire nous ça qui passe. Nous besoin de poser l'explication sur le président Jovenel. Je dis à lui, 1906, pas de loi 2021. Nous ne pouvons pas prendre le coup de salaire encore. Je dis à la voyage Charles Barré, docteur Ariel Henry, pour le bas de justice.
justice, parce que nous prenons pas de 16 000, nous prenons pas de 100 000 unités qui assassinent le président. Toujours ça qui gagne à ouais avec assassinat président Jovenel Moïse, gagne parti politique Plan Spa avec Alié Lio, une organisation politique proche pouvoir Jovenel Moïse là. Dans le cadre d'une conférence pour la presse, journée Madia, donc, mandé justice pour Jovenel Moïse, Dieudonné Lérisson, coordonnateur Plan Spa, continuer plaidoyer. Il était lancé bon côté Ispan qui c'est Institut Sauvetage et Patrimoine National sauvegarde patrimoine national pour faire donc Kay Jovenel Moïse côté été assassiné là donc pour le tourner yon misé donc l'idée Plan Spa mandé Premier ministre Ariel Henry pour le monter pour le montrer volonté politique li avec engagement patriotique li donc pour permettre enquête sous assassinat Jovenel Moïse da lui-même li capable river nan bout li nous invitons suivre déclaration Dieudonné Lérisson. Jodi a fait 2 mois depuis chef l'État haïtien Jovenel Moïse, yo torturé, yo massacré, yo assassiné. Parti Plan Spa, ak l'autre parti allié, yo mandé Premier ministre Ariel Henry pour montrer que le gagné volonté politique et engagement patriotique pour permettre à ce que enquête soit assassinat chef l'État haïtien li abouti dans l'objectif pour lui mettre justice. Parti Plan Spa et l'autre parti allié, quoi, une priorité, peuple haïtien, bien aujourd'hui, c'est pour le président Jovenel Moïse, joindre justice. Parce que peuple a quoi, que le président, t'es mouru, c'est à cause de conviction, avec rêve, que t'a porté pour le peuple haïtien. Dans le même sens, ça, parti Plan Spa, avec l'autre parti allié, pareil, il a déposé encore dans l'ISPAN une pétition pour renforcer des masques qui étaient déjà faites déjà, justement pour l'État haïtien prendre disposition pour transformer en un lieu de mémoire le lieu d'assassinat du chef de l'État, Jovenel Moïse. Toujours dossier, Jovenel Moïse là pour une deuxième fois, blackout, t'es la cause, commissaire Gary Aurélien, pas de capable de river tant d'ancien responsable, unité sécurité, palais national là, Jean Laguel civil, non palais de justice, Port-au-Prince là, journée, Madia encore pour, donc, disons, pour présumer implication non assassinat président Jovenel Moïse. C'était encore en présence avocat, maître Renaud Georges, eh bien, il était gagné. Koutandel journée Madia. Grève nan électricité d'Haïti, employé électricité d'Haïti yo avec membre syndicat Festredla, ancien DG EDH la, Michel Présumé, te révoqué arbitrairement, te en main yon mouvement nan bureau EDH Bio Central, électricité d'Haïti ya sous bicentenaire journée Madia pour mander l'État haïtien payer plusieurs mois arriéré salaire.
Donc, employé a dénoncé, direction générale impôt a dit qu'il bloquait compte EDH. Et peut-être, eh bien, institution doué DGI, alors que vous dit DGI lui-même tout, lui doué EDH, plus l'agent passe ça, EDH doué. Donc, c'est pour raison ça, vous demandé pour DGI débloquer compte EDH là pour employé capable toucher à tout. Vous demandé pour le ministère Travaux publics, Transport et Communication, donc réintégrer tout employé. Donc, EDH, l'été révoqué, il était révoqué arbitrairement. Employé EDH qui mandé yon audit sous gestion Michel Présumé, ancien directeur. Yon dénoncé ancien directeur. Donc, peut-être li alloué yon kaye $72,000 américains pour le faire birol. Alors que yon même yon pas capable de toucher. Nous invitons à suivre déclaration yon nan employé EDH. Pendant la parlé à la, tout centre métropolitain yon à travers pays yon la, tout fermé. C'est-à-dire que sous passé ni Delma, ni Pétionville, ni Tabac, ni Centre de Port-au-Prince, soit venu tout fermé. Sous passé à Carrefour, soit venu fermé. Et pour ne citer ça seulement. Et maintenant, on a dit que la première revendication nous gagnons, c'est déblocage compte que nous gagnons, DGI bloqué contre nous. Là, il y a une banque qui fait rendre que nous pas qu'à toucher. Nous pas qu'à toucher ni quinzaine ni mois et nous pas qu'à toucher à piscolaire nous qui revient nous de droit que chaque petit monde nous à l'école c'est à piscolaire là qui pour faire que petit monde à l'école. Deuxièmement, nous demander réintégration tout membre bureau exécutif national FESRET là qui c'est Fédération des syndicats des travailleurs et travailleuses d'électricité d'Haïti côté que yo révoqué ni président ni vice-président ni secrétaire ni secrétaire général adjoint ni trésorier ni conseiller. Nous demandons au ministre pour le temps de la raison pour réintégrer Mounsayo l'emploi pressé et tout l'autre employé qui était en bataille là qui révoqué tout agent de sécurité contractuel qui révoqué arbitrairement. Nous demandons pour ministre pour retourner l'emploi et nous demandons bonnes conditions de travail. La bonne condition de travail là, avec tout l'autre monde, ça que nous comptons que clientèle là pas un bon service. Côté que environ ta doué pour pipiti, en 270 MW nous ta doué gen sous réseau. Actuellement, nous gen 38 MW sous réseau. Ça veut dire que clientèle là pas un bon service. C'est toute revendication ça que nous gen. Et nous demandons tout pour nous capables de jouer une audit interne qui fait sous gestion, monsieur Michel Présumé, l'en passe à l'île en tête EDH. Parce que l'en 157 millions de dollars américains, que l'État géré comme Taïwan, non, et bien, il y a 11 millions qui vont au fond, et bien, nous-mêmes nous demandons pour être capable de faire gestion sous monsieur Michel Présumé. Et nous demandons une nomination, directeur général, à la tête EDH, pressé pour problème ça à résoudre. Nous-mêmes, nous quittons nous-mêmes ouvriers là, tout directeur, nous payons 72 000 dollars américains dans Ménadère. Nader qui était ministre de Travaux publics, il prend $72,000, il fait un loup en Kaïbali. Non, mais présumé, pour l'arrêter en dedans, un Kaï que nous t'arrêter en maison habitable. Maison habitable, ça l'a rentré là-dedans, le temps qu'on Kaï, il va même sembler avec Biro même. Nous ne pouvons pas toucher tandis que un Kaï coûtait $72,000 américains. Ou même qui est responsable en province, un Kaï coûtait 100 000 gouttes, un Kaï coûtait 100 000 gouttes, 125 000 gouttes. Présumé bloqué, il dit responsable, il n'a pas de droit pour le gagner pour le rété. Tandis que yon kaye paye $72,000 américains. Insécurité dans Port-au-Prince, ambassade de France dans le pays d'Haïti a annoncé le devant climat insécurité à Kibla école dans Port-au-Prince, donc il est obligé eh ben réagencer, remodifier donc service li kon bay disons français yo avec haïtien yo. En attendant situation lui-même li retourne nan normal li ambassade là lui-même li pas disons dit qu'il est là pour reprendre service normally par rapport avec question insécurité à vague insécurité à kidnapping non li a continué blay kol souterrain dans pays d'Haïti bien bonheur matin et madia et bien bandi pour ne pas arriver identifié donc kidnappé madame Rocheline Louis Benèche qui lui-même c'est une laborantine donc qui c'est madame directeur docteur Martial Benèche qui c'est directeur départemental santé dans département l'Ouest. Donc c'est tout près l'hôpital général. Donc yo enlevé madame Rocheline Louis Benèche matin madia nan Port-au-Prince.
L'autre information, toujours question insécurité, a gagné Père André Sylvestre, qui lui-même s'est quitté paroisse Robillard, dans le département Nord, Cap Haïtien. Donc, il est mort dans l'hôpital Justinien, Aïe, après bandit armé, qui a fini de tirer plusieurs balles sous Père. Donc, sous Père André Sylvestre, dans le moment, il était sorti, fait une transaction, la banque, dans la deuxième ville pays, dans Cap Haïtien. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper avec session information ça. Nous remercions pour écouter avec attention. C'est des amis pour mettre info qui t'observer. Nous casser rendez-vous demain, même le à même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.